Bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme les autres fois, et puis j'y ai inclus, pour la première fois, une carte Yiking divinatoire. Vous avez dû voir que je marque les mois de novembre et décembre, mais c'est uniquement pour un repère que je fais pour moi, et non pour dire que le tirage concerne seulement la période de novembre et décembre 2019. Chaque tirage ayant un temps de réalisation et d'influence, donc on voit d'abord la réalisation, mais surtout le temps d'influence peut aller au-delà d'une année. Donc je vous conseille de ne pas vous arrêter simplement à ces 2 mois en tant qu'influence sur les tirages. Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à rentrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de Vénus. Voilà, bonne écoute à tous. Chère Balance, bonjour, bienvenue. Donc je commence immédiatement ce qui est sorti pour vous dans ce tirage. Amour de vous-même, avec un retour au calme au niveau émotionnel. Vous recherchez la solitude et refoulez la pesanteur extérieure de votre environnement. Vous serez très spirituel ces prochaines semaines, avec un goût prononcé pour ce qui est naturel et ce qui touche à la nature. Vous recherchez la simplicité, l'authenticité des choses qui vous entourent, sensible aux ambiances, d'une grande délicatesse et grâce dans vos gestes et votre façon d'aborder les choses. Si vous êtes en couple, les échanges entre vous et votre partenaire sont fluides. Vous recherchez une communion plus forte, plus vraie, plus équilibrée. Il n'est pas question pour vous d'imposer à l'autre une quelconque volonté. Vous cherchez à fusionner et progresser ensemble vers un même but commun. Vos attentes du moment ne sont pas couronnées de succès, que vous espériez, peut-être moins retentissant. Tout se passe discrètement finalement, et la transformation de votre environnement proche s'effectue doucement. Et c'est en réalité ce que votre couple signale avec la gestation de nouveaux sentiments, d'un retour à soi et des souvenirs d'enfance. Vous revivez des moments de votre vie qui vous ont permis de grandir, de petites victoires sur vous-même, des rencontres importantes qui ont totalement changé votre vie.
Si vous êtes en couple, c'est un approfondissement des sentiments des partenaires l'un envers l'autre. Tout se passe dans l'intimité du couple. Il y a une volonté de cocooning, d'être heureux à deux, de transformer, d'élever le lien d'amour vers quelque chose de plus intense, plus léger. Une volonté de se créer un monde transcendant. Votre jeu, chère Balance, est très spirituel et pour moi, cette énergie qui donne une sensation de flottement, de légèreté, fait suite à un vécu par rapport à un enchaînement d'événements douloureux. Je pense à un divorce ou un décès, une rupture, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Un lien d'une grande richesse, ou en tout cas très féconde pour vous en matière d'émotions, plutôt positives et de tendresse. Même s'il y a perte, pour moi, le lien affectif, l'attachement émotionnel est persistant, ce qui vous maintient dans une espèce de bulle nourrissante, comme le cocon dont je parlais précédemment, pour le couple. Et donc, pour moi, il y a une double croissance. Ce double cordon nourrissant intérieur et extérieur. Les nouvelles énergies qui s'installent sont douces, guérissantes et protectrices. Peut-être que certaines femmes balancent, sont enceintes, ce qui renforce cette sensation. C'est très agréable. Pour les hommes, pardon, ce sont de nouveaux sentiments, de nouvelles philosophies de vie en train de prendre naissance. Par rapport aux difficultés que vous avez eues cette année, vous ne gardez pas de rancune. Vous prenez de la distance pour juger tout cela, sans passion et beaucoup de sagesse. Les feux de la passion s'éteignent tranquillement et laissent place au calme. Là encore, vous cherchez à apaiser vos blessures. Surtout, vous gardez un lien, une attache, une présence dans votre esprit d'une personne qui compte ou bien a beaucoup compté pour vous. Ce lien, cette attache sera, je pense, encore très présente durant les mois prochains. Toujours de façon très discrète, spirituelle et intime. Les moments de solitude vous enseigneront sur la lecture de vos émotions. Laissez la créativité, artistique et autres, vous guider. Exprimez vos émotions de manière créative. Tout ce qui est en relation avec le corps et l'eau, les sons, comme la musique, le chant, est favorisé. La nature aussi, donc la forêt, les oiseaux, etc. Si vous êtes en couple, c'est que vous parvenez à maintenir toutes ces dispositions de cœur entre vous et votre partenaire. Vous vous affranchissez de liens douloureux et indisposants. Pour vous, chère Balance, c'est, je pense, une éclosion à la spiritualité, quelle qu'en soit la forme concrète. Avec un lien, une attache psychique à quelqu'un de cher. Donc ça revient à chaque fois. Hein. Quand j'en parle à chaque fois dans votre tirage, c'est parce que pratiquement chaque carte aborde ce lien d'une façon différente. C'est une nouvelle vision de la vie,
avec la légèreté spirituelle que vous choisissez d'entretenir. Bravo! Vous avez décidé et réussi, au vu de votre tirage, de ne pas rentrer, de ne pas tomber, de ne pas rester dans la douleur des événements précédents. Si vous êtes en couple, c'est que, ensemble, vous parvenez à exclure ce qui a pu endommager votre relation ces derniers mois. Vous choisissez alors d'orienter votre relation avec une ouverture de cœur plus grande, plus expressive, l'un envers l'autre. Pour tous, c'est un renouvellement des raisons qui rapprochent les partenaires, ou si vous êtes seul, un renouvellement de l'amour que vous vous portez et votre rapport à la vie. Je pense que, à divers degrés, il y a certaines dispositions médiumniques latentes qui vont s'exprimer d'abord inconsciemment, et puis, si vous y portez attention, peut-être qu'elles pourront faire leur chemin avec vous. Alors, voilà pour votre tirage. Ensuite, j'ai tiré votre carte conseil qui est la numéro 39 et qui s'appelle « Libérer des jugements ». Libre d'aimer. Alors sur cette carte, vous verrez, il y a un visage de femme qui a les yeux mi-clos. Et donc, les petits points blancs, pour moi, représentent l'énergie dans laquelle vous évoluez en ce moment. Et le sourire de cette femme, c'est le sourire intérieur et l'aspect yin, donc par la femme, des énergies de fécondité, de gestation et le retrait en soi. Donc, je vous lis cette carte. Alors, je lis cette carte, mais c'est vrai que je n'ai pas tout sélectionné parce que c'est très long. Donc, j'ai pris ce qui est vraiment en lien avec le tirage, ce qui parle le plus. Donc, je commence. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveilles, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur et, lorsque nous avons besoin de grandir, nous donne les défis. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec confiance, avec une confiance totale en la mère universelle. Certains aident même la mère universelle a materné d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leurs peurs et vivre plus librement. Cet oracle vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle, mais peut-être en donnant naissance à des enfants ou peut-être en adoptant, en élevant ou en s'occupant d'enfants ou en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon, en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule et de votre volonté de les aider à voir le jour. Vous pouvez aussi être
un aspect de la mère universelle à un niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. Ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Cet oracle vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. Cela peut vous faire vous sentir un peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vous habituer à vous valoriser vous-même et finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion non seulement pour vous de recevoir, mais pour les autres de pouvoir donner. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. Cet oracle vous délivre un message à propos de l'amour. Vous allez sentir que vous êtes aimé et allez aimer différemment. Peut-être vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être êtes-vous capable d'aimer plus, même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Il est réel. Il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. C'est simple. Une autre facette de l'amour... Non, excusez-moi. C'est simplement une autre facette de l'amour, ni plus ni moins. Peut-être aimez-vous la planète et ses créatures, les animaux, l'océan rempli de vie, votre propre corps, les arbres, plus qu'avant. Vous pouvez vous sentir passionnément résolu de donner votre temps et votre énergie à des causes qui protègent la terre et ses créatures. Vous vous affirmez également dans cet amour. La mère universelle passe à travers vous pour materner. Elle vous soutient dans votre travail pour que vous puissiez continuer à le faire avec amour et non plein de désespoir ou dans la peur de la futilité. Au contraire, vous serez énergisé par votre service dévoué envers la vie. Voilà pour cette carte message, conseil. Et donc, j'ai prévenu que j'avais mis une autre carte de Yiking, du Yiking divinatoire. Donc, je vous la lis tout de suite. C'est la numéro 7. Qui s'appelle la multitude. Recourez aux stratégies appropriées pour contrôler la situation comme si vous étiez à la tête d'une armée.
L'eau s'accumule dans la terre et symbolise la force du nombre. Vous commandez de nombreux soldats que vous soumettez à une juste discipline. Une foule disparate ne peut pas devenir une armée et aucun général ne peut commander une troupe désordonnée. Faites confiance à ceux qui ont un caractère noble. Donnez autorité et pouvoir aux hommes compétents, pas à vos parents ni à vos amis. Ne punissez que le coupable et ne vous montrez pas injuste envers l'innocent. Louez ceux qui ont réussi. Alors, Lagarty King, chaque fois que je fais une pause entre chaque lecture, c'est qu'il y a un niveau. Donc, il y a trois niveaux de réponse. Voilà, je vous laisse avec cette petite indication. Et puis, vous pouvez faire une méditation avec si vous le souhaitez, comme avec l'autre carte conseil d'ailleurs. Voilà, c'est terminé pour votre lecture. Je vous remercie, chère Balance, pour votre écoute. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.